Bienvenue à la Gamescom. Aujourd'hui, on est avec Guillaume Croudy de Blue Loop Studio. Enchanté. Eh bien, enchanté également. Nous avons eu le temps d'échanger sur ton dernier jeu qui s'appelle Quadroid et qui est également d'ailleurs ton premier jeu. Qui est mon premier jeu en tant que solo dev, ouais. Voilà. Alors déjà, première chose qu'il faut savoir, tu développes en solo. Alors, qu'est-ce que ça implique de développer en solo en termes de création, alors pour le gameplay, etc. Comment ça s'est passé pour toi? En fait, ça implique déjà... Ça donne beaucoup de liberté parce que... En fait, on décide de tout, forcément. Donc, les seules discussions qu'on a, c'est avec soi-même. Et en fait, moi, ce que j'ai vraiment aimé à faire, à bosser seul, c'est que s'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est je le change tout de suite. Ah, c'est de ta faute. C'est de ma faute, en général, même tout le temps. Non, mais en fait, ce qui est bien, c'est que si j'ai une idée, je peux la mettre en place très rapidement. Je peux la développer, faire l'art qui va avec, l'animation qui va avec. Et la tester tout de suite, en fait. J'ai pas besoin d'expliquer mon idée, parce que c'est toujours, y a toujours des fois une façon de comprendre les choses quand on l'explique à quelqu'un d'autre. Là, moi, je sais ce que j'ai en tête, je la mets en place, je la teste très vite, je vois si ça marche ou pas, et je l'enlève si ça marche pas. Et donc ça, c'est une super liberté, et c'est ça que j'ai vraiment apprécié. Après, ça demande un peu d'organisation, ça demande d'être à l'aise avec le fait d'être tout seul tout le temps, de ne pas avoir trop d'échanges avec d'autres, parce que... Et la pandémie a pu aider peut-être à travailler seul. Alors, j'ai commencé un peu juste après la pandémie, mais voilà. Alors peut-être pour revenir sur le concept même de Quadroid, alors qu'on a pu essayer quand même un petit moment ensemble. Alors c'est assez original, puisqu'en fait on a Quadroid, donc comme 4, hein, vous voyez que je suis un limier de l'étymologie. Et donc vous avez l'écran qui est divisé en 4, chacune des parties de l'écran correspond à une gâchette qu'on va pouvoir actionner. Et des petits personnages qui vont se déplacer et passer d'un écran à l'autre. Il va falloir sortir de ces écrans et activer des sortes de miroirs. Hein, si j'ai bien compris, c'est des points finaux pour coloniser une planète en fait. Mais oui, globalement c'est ça. Il faut le but, c'est vraiment de réussir à jouer sur plusieurs tableaux à la fois, de réussir à contrôler tous ces personnages en même temps et les amener d'un point A à un point B. C'est autant finalement d'ailleurs un die and retry qu'un puzzle game. Ça mélange vraiment les deux. En fait, il y a vraiment une partie puzzle où il faut comprendre comment arriver au point d'arrivée. Et une fois qu'on a compris ça, il y a aussi une partie skills, puisqu'il faut tout le temps alterner mentalement entre les boutons, anticiper l'action, savoir dans quel écran les personnages vont arriver. Donc ça mixe vraiment les deux. C'est autant dire un jeu qui est parfait pour les gens qui ont du problème avec leur gauche et leur droite. Ça peut aider en fait, ça peut nous entraîner. Ça peut nous entraîner à devenir ambidextre. C'est ça. C'est une simulation. C'est du multitasking vraiment poussé à l'extrême. Alors peut-être qu'on peut parler aussi d'un autre point de gameplay qui est assez intelligent, enfin moi que j'ai trouvé vraiment chouette. Outre la synchronisation qui va vraiment devoir solliciter le joueur, il y a également le fait que nos morts vont petit à petit ouvrir des fenêtres de tir, des fenêtres de réflexion pour résoudre un peu ces tableaux. C'est ça, en fait, chaque fois qu'on meurt, on va laisser un cadavre et du coup, ce cadavre va nous servir de plateforme. Donc ça peut nous aider en... Beaucoup ce que tu dis de ce cadavre. Allez, c'est rien d'être pas de quoi. Ouais, en fait, ça me paraît tellement naturel parce que ça fait 2 ans que je travaille sur le jeu. Des cadavres. Dit comme ça, c'est peut-être un peu bizarre. Mais en fait, ça permet justement de créer, de modifier le level design pour accéder à d'autres endroits dans le niveau. Ça permet aussi de faciliter le chemin du joueur parce que, en fait, les vies sont illimitées. Donc, on peut envoyer autant de quadroïdes à la mort qu'on veut. Et ça me fait toujours rire. Mais du coup, ça facilite le joueur qui perd. Enfin, qui bute sur tous les pièges, et ben, de toute façon, il ira plus loin parce que ces cadavres seront là pour l'aider. Ça lui fait un tapis. Ça lui fait un petit tapis. C'est toujours sympa de marcher sur ses copains. C'est ça. C'est plus agréable que la moquette. Hein. Non, mais il faut le dire quand même. Et peut-être d'ailleurs, pour revenir même à proprement parler du concept du jeu, qu'est-ce qui t'a poussé, à toi d'ailleurs, à développer ce jeu? Qu'est-ce qui t'a amené à réaliser ce jeu-là? Alors, je pense qu'à la base... Maman, t'écoute. Maman, je suis désolé. À la base, je pense que je voulais juste faire un jeu auquel j'aurais envie de jouer. Ça, c'était vraiment le premier truc. Je me suis retrouvé tellement de fois à scroller dans les stores et à rien trouver que j'avais envie sur le moment. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, je vais faire un jeu, j'ai envie de jouer. Je suis très fan de tout ce qui est Celeste, Super Meat Boy, tout ce genre de platformer un peu hardcore. Et j'avais pas envie non plus de refaire un platformer exactement pareil. Ça, j'avais pas d'intérêt à ça, quoi.
Et en fait, j'avais quand même cette idée en tête d'avoir des personnages assez mignons et de les faire mourir pour utiliser leurs cadavres. Voilà, alors, on en pense ce qu'on veut. J'avais cette idée en tête. Non, mais ça peut être, la solitude du confinement a dû aider, mais... Ouais. Et donc, je trouvais que avec cette idée-là, si on n'en avait qu'un seul à jouer, et en fait, c'était trop lent quand il mourait de réutiliser son cadavre. Il mourait pas assez vite. Je sens que je dis beaucoup de choses horribles. C'est la psychanalyse en réalité. C'est un peu ça, je vais m'allonger. Allez-y. Et donc, je cherchais un moyen d'en faire mourir beaucoup plus rapidement, pour pouvoir vraiment utiliser cette feature de cadavre. Et donc, après, j'ai eu l'idée, un peu de nulle part, d'avoir plusieurs écrans pour montrer plusieurs endroits dans le jeu. Et voilà, après, ça s'est construit au fur et à mesure comme ça. Une fois qu'on a les quatre écrans, c'est évident que le joueur, si j'envoie plusieurs quadroïdes, il ne va pas pouvoir tous les manipuler finement avec le stick plus en même temps. Donc, il fallait que je trouve un moyen. Donc, je les ai fait bouger tout seul. Après, il fallait juste une interaction simple, parce que ça reste quand même un truc assez, assez cérébral de devoir en regarder plusieurs à la fois. Donc, l'interaction simple, c'était juste, OK, un bouton et il saute et puis c'est OK. Et ça s'est construit un petit peu comme ça, et puis après beaucoup de travail sur le level design. Le monde qu'on a essayé, c'était quel monde ? C'était le premier monde. C'était vraiment le démarrage, tout tranquille. Quand on avance à la fin, on commence à avoir un petit peu plus de complexité. Ouais. Il y a combien de mondes qui sont prévus ? Il y a 5 mondes de prévus. Ça fait en tout 125 niveaux. 125 niveaux. Il y aura 100 niveaux pour vraiment aller au bout du jeu, et après 25 niveaux bonus pour ceux qui en veulent plus. Ah oui, comme les niveaux de Mario, un peu compliqué. C'est ça. Il faut les débloquer en récupérant des collectibles. Donc, c'est pareil, pour récupérer les collectibles, c'est aussi un autre challenge. Il y a de quoi faire. Normalement, ça représente à peu près 5 à 6 heures de jeu, je pense. Et combien de personnages on pourrait avoir en simultané à un moment en les réutilisant ? Je dirais 4-5. Ouais. Le 5, je suis plus très sûr, là, j'ai un peu le cerveau qui a fondu. C'est la fin de la Gamescom, il faut préciser. Mais en général, on est quand même sur 2-3, c'est plutôt la moyenne. Okay. Et après, sur certains niveaux, je vais pousser au-dessus pour un peu changer justement le rythme, le flow du jeu, tu vois, pour que ça varie un peu l'expérience du joueur. Je pense que le terme de flow est vraiment approprié, parce qu'effectivement, comme les personnages se déplacent tout seuls, qu'on va devoir appuyer sur les gâchettes, à des moments, évidemment, ils vont se heurter les uns les autres, il va falloir réfléchir à ça, sans faire exprès, on va le faire ressortir d'un écran, etc. Ouais. C'est un mélange original. Il y a vraiment un truc marrant qui se crée une fois que tu maîtrises un peu les quatre boutons et cette mécanique un peu bizarre. Il y a vraiment des moments où, si tu arrives à être dans le flow, tu fais tes sorts en même temps, tu as un bon feeling, je trouve, en tant que joueur, de pouvoir enchaîner. Complètement, ouais. Ah oui, il y a une satisfaction assez importante. En tout cas, j'ai essayé de faire en sortir. En tout cas, nous, ça nous a beaucoup plu. On a hâte de pouvoir jouer au jeu final, qui sort, si j'ai bien compris, en 2024. Normalement, fin d'année 2023, si tout se passe bien. Là, il reste encore quelques bugs mineurs à régler, quelques petits éléments comme ça à ajuster sur des niveaux. Et si tout se passe bien, ça devrait être fin 2023. Peut-être que ça débordera un peu, on verra. Eh bien, on croise les doigts pour qu'on puisse y jouer à Noël, histoire de se casser les dents sur ton jeu, Quadroids. Et merci pour cet échange. Merci à toi. Et puis à bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à liker, à partager si vous voulez nous soutenir. Et à bientôt à la Gamescom.